Mais le pire est venu. Je ne sais ni pourquoi, ni comment. Et j'ajoute que je n'ai pas vraiment envie de le savoir. Qui a eu cette idée monstrueuse de mettre une classe entière à genoux avec les mains sur la tête? Le spectacle est glaçant. Mais ce qui est peut-être encore plus glaçant, c'est le commentaire qu'on entend qui dit « voilà une classe qui se tient bien sage ». Quel est le genre de brute qui est capable de ce type de commentaire? Une classe bien sage est une classe passionnée par ce qu'elle fait. C'est une classe qui apprend. C'est une classe qui est en train de gagner en sagesse. Nous n'avons pas l'intention de mater nos gosses. Nous voulons les éduquer. Et il peut arriver parfaitement qu'ils en fassent trop, ici ou là, ou qu'on ne soit pas content de ce que celui-ci ou celle-ci fait. Bien sûr, mais ce n'est pas une raison suffisante pour procéder à une humiliation collective de cette nature qui peut leur faire croire que c'est une autorité républicaine qui s'est exécutée à cet instant. Non ! Ce n'est pas ça, la République !